J'ai de la chance, hein. Ah ouais, ça je sais que j'ai de la chance parce que j'ai un décor merveilleux. Je suis au milieu de la nature. Tous les éléments sont là. Vous avez le feu avec le soleil là qui daigne sortir. Vous avez l'eau, le règne minéral, le végétal. En fait, c'est la plus belle pharmacie, le plus bel hôpital du monde. Et je suis là pour vous parler de la nouvelle dimension de l'être dans cette société où tout bouge et tout va vite, où la vie, en général, on la traverse à la vitesse d'un éclair et on arrive au bout, on se dit « waouh, déjà, c'est fini ». Donc le bonheur, la recherche, la quête, ce que tout le monde cherche à l'heure actuelle. Et je m'aperçois, j'ai acquis une certaine philosophie de vie de par mes expériences et je regarde, quand je regarde autour de moi tous les gens, ils se comportent comme des êtres, comme s'ils étaient immortels. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Parce que quand on me voit, on dit « Ah ben toi, t'es toujours contente, etc. » Mais enfin, moi, j'ai notion que je ne suis pas un être immortel. Et j'aimerais que les gens prennent un peu conscience de la belle personne qu'ils sont et tout leur grand potentiel qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Parce qu'une vie, ça passe vite. Et donc, il y a des gens qui traversent la vie sans même se demander. Vous savez, c'est comme quand ils sont au guidon de leur vélo. Là, ouah, ils foncent. Et puis, ils arrivent à la fin de leur vie. Ils n'ont rien fait. Ils ont eu un sentiment de malheur ou de bonheur. Ça dépend. Et je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens cherchent un sens à leur vie. Pourquoi on est sur Terre, à quoi on sert, comment on peut faire. Et alors là, commence une espèce de masturbation intellectuelle sans fin. Et personne ne semble trouver la réponse. Parce qu'en fait, je crois qu'on a vraiment des raisonnements beaucoup, beaucoup compliqués, très compliqués. La vie, soit vous la traversez à fond la caisse et s'il vous arrive rien, tant mieux, sans vous occuper des autres. Soit vous, comme la plupart des gens, comme moi-même, vous posez la question de pourquoi on est là, etc. Et la recette du bonheur, elle est simple. D'abord, on ne peut pas faire heureux. Soit on est heureux, le verbe être. C'est vraiment un état d'être, mais on ne peut pas faire heureux. Et dans la vie, les gens passent leur temps à faire semblant d'être heureux, mais